Saka fête tout le monde. Hey, what's up? Welcome to this lesson. Bienvenue dans la leçon ça. I am going to walk you through how to correctly use articles in English. Moi pour l'expliquer nous en détail comment pour nous utiliser article en anglais. So, comme nous capable garder sur écran, nous gain trois petits mots, right? We have a, we have an. We call these indefinite articles. And we have the. This is called definite article. Let's do this. So this is just going to be an introduction, okay? Ça c'est juste une introduction. Articles are small words we use before nouns. Articles sont équipe petit mots courts que nous utilisons devant nous. We have three main articles. Nous gain trois. I could say two. On est capable de dire deux because a and n are the same. Parce que a avec n, yo c'est même. But we use them differently. Mais nous utilisons différemment. These are three little words you should master. Ça, c'est trois petits mots que nous devons maîtriser. A, n, pas oublier de dire a avec n, yo c'est même. Et puis, the. Pas oublier de dire dans le commencement vidéo, dans le commencement leçon, que deux mots ça, c'est même. Yo tous les deux articles indéfinis. Ou ka di a, n. A avec n are used when talking about one general thing, not specific. Nous utilisons a ou bien n pour nous parler de yon green bagay. En créole, tous les deux signifient yon. Tous les deux le dit yon. Par exemple, moi gen yon machine. You can say, I have a car. Moi gen yon pomme. I have an apple. Did you see how I said I have a car? But when I wanted to use the word apple, I didn't say a apple, but I said an apple. This is the difference, and we are going to look at that together. Est-ce que tu remarques comment l'homme t'a dit moi gagne une machine, moi dit I have a car, mais l'homme a dit moi gagne une pomme, moi dit I have an apple. We use a before words that start with a consonant sound. Nous utilisons a devant mot qui commence par un son consonne. L'aime dit son consonne, c'est son en coup k, l. N'importe son qui pas a, qui pas e, qui pas i, qui pas o. Ça aussi son voyelle, et pas vrai ça aussi voyelle, tout le monde connaît ça. Facile. K, l, m, n, d. Ça, c'est son consonne, pas vrai? Donc, devant yon mot qui commence par yon son consonne, nous dit a. Par exemple, a cat. K, k. K, c'est un son consonne. You say a cat. B, b, c'est un son consonne. B. OK? A book. Yon chat. A cat. A cat. Don't say n cat because cat begins with a consonant sound. Pas dit n, mais dit a cat, parce que cat commence par un son consonne. A book. A book. So, b, b, c'est un son consonne. Moi dit a book. A house. H qui là, les prononcer, les pas muets. So, you say a house. Nous utilisons n before words that start with a vowel sound. Nous utilisons n devant mots qui commence par un son voyelle. L'aime parler de son voyelle tant que son A, E, I, O. You know, ça aussi son voyelle que yoye. For example, an apple. Don't say a apple because apple begins with a vowel sound. Pas dit a apple, mais dit an apple. An apple. Et puis, il faut faire la liaison. Dit an a, n'apple, n'apple, yon pomme. Pour que ça c'est an apple, m'dim pas dit an apple, c'est parce que apple commence par un son voyelle. Apple, an apple. Let's look at the word elephant. On regarde le mot éléphant. E, ça c'est yon son voyelle. Peut-être ça, moi dit an elephant. Don't say a elephant because e is a vowel sound. Donc, we dit an elephant. On regarde le mot idea. An idea. I, this is a vowel sound. Therefore, you say an idea. An I. Il faut faire la liaison aussi. An I. Faire foncelle. Nai. An I. Là encore. An apple. An apple. Tout fait an joué avec voyelle qui place après là. An apple.
an elephant, an idea. Look, c'est ça ou tande ya. Ça c'est une règle importante. This is such an important rule. Very important rule. Yon règle qui vraiment important. It's not about what you see. It's about what you hear. C'est pas ça ouè ya, mais c'est ça tande ya. Angadi. A word might start with a consonant letter, pas vrai? Yon mot ka commencé par yon lettre qui c'est en consonne. But it might sound like a vowel or vice versa. Li ka commencé par yon lettre qui c'est en consonne, mais consonne ça pas sonné tant qu'une consonne. Li sonné tant qu'une voyelle. L'aime dit vice versa, vice versa. Comme ça tout. Ou ke dwa wè yon mot, li komanse pa yon voyel. La ou ke de voyel sa, voyel la, li pa gen son voyel, mel gen son konsonne. Let's look at the word university, right? An ke de mot university. La nou ke de mot university, li komanse pa yon ki sa, lem pran u, ki sa sa yon, son konsonne mon voyel. When you look at it, it is a vowel, right? When you look at it, it's a vowel. But when you hear it, it's not. Lo gade l, li se yon voyel. Nou wè se u ki se yon voyel. Men, lo sonen, lo tande l, li sonen tankou yon konson. University starts with this letter. Li komanse pa u, pa vre? Nou wè let sa, li komanse pa u. Le nou gade sa, of course it's a vowel. But it sounds like you. What is y, y? This is a consonant. So, when you look at it, it's a vowel. But when you hear it, it's not. Lo gade li son voyel. Men lo tande li son konsonne. It's a consonant sound. Therefore, you say a university. A uniform. Yon uniform. A uniform. A unicorn. Depuè u ya sonne kom you. Donc, li se yon voyel lo gade li, men lo tande li son konsonne li. That's why we say it's not about what you see. It's about what you hear. C'est pas so where, mais c'est so tande ya. Let's look at another word, which is hour. Nous gade mot hour, right? Li commence par un ki sa. H, tout pon konne ki H, c'est un consonne li, pas vrai? However, this letter, H, is silent in the word. You don't pronounce the letter H. Therefore, you say an hour. Si H la pa prononce, sa krete kounya. Krete hour. Donc, hour, ah, hour. It's a vowel sound. Nou di an hour. So the word hour starts with H. But sounds like a vowel because the H is silent. Li sonne tankou yon voyel paske H la li pa prononce. You say an hour, an hour. So again, remember, it's not about what you see. It's about what you hear. C'est pas ça ouais, mais c'est ça tandis.